Comment cela peut-il être possible Veux-tu me dire que Léon savait qu'elle était ta femme Il l'a quand même épousée Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que la femme qu'il a amenée au palais est la mienne. On s'est mariés civilement en France. Je suis confus. Honnêtement, Bruno. Oui, c'est confus. J'ai trop supporté, mon oncle. Tu dois venir au palais avec quelques anciens pour régler cette histoire. Sinon cette maison prendra feu. Non. Bueno, ça va. La maison ne sera pas en feu. Je viendrai. Je viendrai avec d'autres anciens. Ok. Sois tranquille. Bien. Il y a le feu sur la montagne. Et elle va bientôt brûler. <laughs> Quelle montagne et de quel feu parles-tu? Uh -huh. Sais-tu que le prince Lyon va se marier avec une femme qui fut l'épouse du prince Bruno? Hmm. Et étais-tu présent quand il a épousé la demoiselle? Je te raconte juste les derniers potins. Chut. va te trouver quelque chose de plus utile à faire. Regardez-moi celle-là, tu devrais être contente que je donne les dernières informations, les dernières nouvelles. Comme ça, quand il y aura incendie, tu pourras fuir. Ah! Dis-nous ta version de l'histoire. J'ai fait un mariage civil avec Bruno en France. Le jour où on devait se marier à l'église. Ici au Nigeria. Une femme s'est montrée et a arrêté le mariage. Il a un enfant avec elle. Comment vouliez-vous que je me marie avec un homme qui a osé me cacher un tel secret J'ignore d'où tout ça sort. De toute ma vie, je n'ai jamais été mariée. Tu es la seule femme que je connaisse. Je n'ai jamais été mariée. Tu mens! Je n'ai jamais été marié, père. Tu le sais! Je n'ai jamais été marié. Tu mens! Je ne cesse de lui faire comprendre que je n'ai jamais été marié, mais elle ne cesse de le dire! Sa Majesté, il dit des mensonges. Majesté, qu'avez-vous à dire de tout ça? De grâce. Honnêtement, je suis à court de mots. Le jour du mariage de Bruno, j'ai appris que. Une certaine femme s'était montrée, prétendant que Bruno l'avait épousée. J'ai fait l'effort. Je me suis rendu au domicile de son père pour avoir une conversation. Mais il l'a refusé de, de me laisser entrer. Je l'ai même appelé. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais sa tante a décroché l'appel et m'a insulté. Je suis même allé chez son père. Mais ce dernier a menacé de m'abattre. Avec son arme Que n'ai-je pas fait J'ai essayé de lui expliquer que je n'ai jamais été marié, mais elle cesse de dire ça Père, tu me connais très bien. Bruno, à mon avis, Tonya est mariée à ton frère traditionnellement. Et c'est la forme de mariage que nous acceptons dans notre royaume. Ce que tu as fait avec elle en France n'est pas notre culture, pas du tout. Tu viens de dire la vérité. Rien d'autre que la vérité. Oh non, c'est tout ce que tu as à dire. Père, vous allez laisser Lion me prendre ma femme C'est tout ce que vous avez à dire Bruno, as-tu payé sa dot As-tu payé sa dot Tu ne l'as pas fait le seul homme qui peut prétendre être son mari est celui qui a payé sa dot. Et c'est ton frère Léon. C'est évident. S'il vous plaît, j'aimerais avoir une conversation avec Bruno. Vous pouvez nous laisser. Bruno. C'est trop. Bruno. Père. Que ceci ne persiste pas. Sinon. Mon cœur risque lâcher. D'accord, père. J'ai compris. Je ne compte pas rester les bras croisés. Sache une chose s'approche de ma femme, je le tuerai. Majesté, de grâce, je suggère que l'un d'eux quitte ce palais immédiatement pour éviter la mort. C'est pas ce qui se passe ici. Majesté. 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 Majesté Que se passe-t-il Il est mort. Quoi Il est mort. eh hey Père Le roi est mort. Père Père Toi, qu'as-tu fait à papa? Que lui as-tu fait? Père. Père. Tu l'as tué. Non, père. Père. Père, s'il te plaît. Père. Père. <laughs> J'étais promis que je ne continuerai plus. Il a tué papa. Père, non père. Qu'as-tu fait à papa Si tu oses encore me toucher, je te refais le portrait. Qu'est-ce que tu lui as fait Qu'est-ce que tu lui as fait Qu'est-ce que tu lui as fait, lui as fait, lui as fait Il a tué papa. Tu lui as tué fait j'ai sais ce que tu lui as fait Qu'avez-vous fait à mon père Qu'avez-vous fait à mon père C'est à moi de te demander ça Qu'as-tu fait à mon père Comment est-ce que tu oses m'empoigner Comment oses-tu m'accuser de ça Ah Mon prince, je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, ne mangez ni ne buvez rien dans ce palais. Pourquoi dis-tu cela? J'ai entendu la reine dire qu'elle va vous éliminer. Qui d'autre était là quand elle a dit? Odo. Odo était là, avec elle. Ok. Merci. Je ne l'ai pas cru quand tu me l'as dit au téléphone. Comment a-t-il pu te cacher tout ceci mm -hmm. Eh bien, j'aime ce qui est en train de se passer. C'est une douce vengeance. Il me verra épouser son frère et devenir sa reine. Ce sera sa punition pour m'avoir trompée. <laughs> Tonya, à ce niveau, je pense qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Oui, quelque chose cloche. Tu ne penses pas que Lyon connaît cette femme qui est venue au mariage N'as-tu pas entendu ce que je viens de dire Je m'en fiche. Euh, si c'est le cas, ce sera bien fait pour lui. Mmh. Tonya, tu n'es pas en sécurité ici, pas du tout. Je suis plus qu'en sécurité. À 100% en sécurité. Je ne le pense pas. Il y a de cela quelques heures que tu es arrivée dans ce palais. Et son père a eu une crise cardiaque. Comment penses-tu que son frère te regardera? Comment penses-tu que le peuple te regardera? Je ne suis pas mariée au peuple. Je suis mariée au prince Lion. Tonia. Bruno, je veux que tu quittes ce palais. Ce sera ta punition pour avoir tué papa. Ou mieux encore, tu disparais d'ici. Je m'en fiche. Je crois que tu connais la tradition. Est-ce aussi que tu es soudainement devenu aussi insensible et stupide Genre, tu ouvres ta gueule puante et vomis des bêtises Écoute, tu me connais très bien. J'aime compter avant de frapper. Quand je viendrai pour ma femme, évidemment que tu ne pourras pas m'arrêter. Alors prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Je crois que papa t'acceptera avec joie. Je ne perdrai pas mon temps avec un lunatique comme toi. C'est clair que tu n'es qu'un gamin. Prépare-toi bien, Bruno. Dégage. Prépare-toi. Dégage. Prépare-toi bien. Léon, de grâce, tu dois te calmer. Que notre nouvelle épouse se sente chez elle. Je suis sûr que ta mère peut gérer ça. Je ne lui pardonnerai jamais. Je ne me reposerai pas tant que je ne le ferai pas payer. Ne t'avise pas de faire du mal à ton frère, sinon j'écourterai ta vie. Tu as ça Tu es encore là Viens, allons nous coucher. Allons-y. Et dites-moi, de quoi est-ce que vous parlez? Marraine, voyez-vous. Alors, finalement, tu es venue? Attends, es-tu si oisive? N'as-tu donc rien d'important à faire dans ta vie, Tonia? Calme-toi. Je suis là. Je dois l'écouter. Parlez. Merci, ma reine. Euh, je suis vraiment désolée de vous avoir fait autant de mal. J'ai finalement retrouvé mon mari. Marraine, s'il vous plaît. C'est entièrement de ma faute. Euh, s'il vous plaît, pardonnez ma femme. Peut-être vous ne croirez pas ce que je vais vous dire. À l'époque, je cherchais mon mari dont le nom est Bruno. Quelqu'un m'a indiqué l'église. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis vraiment désolée pour cela. Je l'ai retrouvé. Le voici, Bruno. L'autre homme est innocent. Je suis vraiment désolée pour cela. Hey, maman. Oui. Que se passe-t-il ici Voici l'homme qui m'a indiqué l'église. Pardon Je vous connais Léon tu me demandes si tu me connais Vous êtes cinglé ou quoi Je vous ai posé une question. Est-ce que je vous connais Et Tu ne me connais plus Tu le connais Oui, c'est lui. Vous allez la fermer. Est-ce que je vous connais Léon Maman Calme-toi. Est-ce que elle, elle, tu elle... la connais Je suis ta mère. Je te connais très bien. Excuse-moi. Après toi. Je, je, je ne sais pas qui elle est. Pourquoi nous regarde-t-elle de la sorte Je comprends sa colère. Est-ce de notre faute, Léon. Maman. À quel point Est-ce vrai Ce que cette femme a dit. <laughs> tu te souviens qu'il m'a volé mon premier amour Oui. Je voulais qu'il ressente la même douleur que j'ai ressentie ce jour-là. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Honnêtement. Et c'est quoi la suite Je m'en fiche. Je m'en fiche éperdument. Bien. Tu dois gérer ça à ta manière. Étais-tu obligé de faire ça Mon amour, ne crois pas ce que cette femme a dit. Elle a dit la vérité. Et je la crois. Tu as de la chance que je t'aime. Ah, je ne te amour. quitterai pas. Merci. Tu l'aimes autant que ça Tu ne crois pas que tu dois des excuses à Bruno Je ne lui dois rien. Et absolument rien sur cette terre ne me fera retourner avec lui. Ne t'en fais pas. Très bientôt, mon mari deviendra roi. <laughs> ben... Si c'est ce que tu penses Eh <laughs> bien, le temps nous dira. <laughs> Quelqu'un est fâché que je ne l'aime plus du tout. Tonia, je t'en prie, arrête. Bruno, s'il te plaît, désolé. Tonia, ça veut dire que tu n'as aucun remords pour ce que tu m'as fait endurer Je n'ai aucun remords pour toi. Bruno. Bruno, je te donne une semaine pour quitter ce palais. Ouais. Car tu es devenu un danger. Pour ma femme. Et cette famille royale. Exactement. Hein Une semaine. Je ne me répéterai pas. Tonya. Quoi Je t'en prie. Où vas-tu avec les clés de ma voiture Donne-les-moi. Euh, désolé, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai une réunion importante. Je dois aller avec la voiture. Et en quoi cela me concerne S'il te plaît, donne-moi ces clés. S'il te plaît, je dois vraiment aller à cette réunion avec ta voiture. Si ça ne te dérange pas, je peux te déposer au bureau et plus tard revenir te chercher. Monsieur, je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai un rendez-vous à honorer. Mes clés, s'il te plaît. Que se passe-t-il ici Maman, j'ai un rendez-vous important avec le directeur de l'hôpital Freedom et il refuse de me donner les clés. Monsieur, remets-lui les clés de sa voiture. Maman, pitié. Il me faut vraiment ce bloc. Oh. Remets. Tounia, je peux venir te chercher à l'hôpital Freedom. Pitié. Je n'ai pas besoin de ton aide. Les clés, s'il te plaît. Tonia. Prends-lui les clés. Veux-tu que le chauffeur te dépose Non, maman. Je peux conduire moi-même. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Assure-toi de déjeuner. D'accord. Allô, tata Tu vas bien Papa Qu'est-ce qu'il y a Je... Je suis en route pour un rendez-vous important. Je viendrai le voir plus tard. Quoi C'est donc si grave Oh, Seigneur. Ok, je viens le voir immédiatement. Ok. Mon frère, allons-y. Hein? Salut. Tonia, qu'est-ce qu'il a Il est rentré hier, de la conférence étant tout triste. Il a sifflé toute la nuit. J'ai appris de quelqu'un que sa banque est endettée et qu'il risque la perdre au profit des Européens. Tu sais quoi Emmène-le à l'hôpital du docteur Bérez. J'ai un rendez-vous Honoré. Dès que je finis, je viendrai l'examiner. Ok, d'accord. Ça frère, va aller. Je l'espère bien. Mon téléphone. Ne t'en fais pas, j'ai ton téléphone. Mon téléphone, mon portefeuille. Tu sais que je déteste te voir comme ça. Prenez mon téléphone et mon portefeuille. Salut. Tu bosses ici Attends un peu. C'est ici que tu voulais emmener ma voiture? Tenez, soyez la bienvenue. S'il vous plaît, veuillez signer ici. Signer quoi? Écoute, je suis ici sur une invitation spéciale. En tout cas, je n'ai pas besoin de me présenter à toi. Je voudrais voir ton médecin-chef. C'est exactement pour ça que je demande que tu signes ici. Tu ne peux pas le voir sans signer. C'est un hôpital privé, madame. Vous devez maintenir la discipline. Veuillez signer ici. Es-tu stupide ah, Non, 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 non. Signez ici. Regardez sa face, s'il te plaît. de oh, ce truc de ma vue. N'importe quoi. Euh, s'il vous plaît, pardon de vous déranger à nouveau. Mais je dois porter vos documents au bureau du directeur. Ah ah. Eh hey, hey, s'il te plaît. Hey. Pourquoi est-ce que tous ces plantons emmènent leur frustration partout où ils vont Tu n'as aucun droit de toucher ce CV. Bonjour, monsieur. Tonya ah, ah docteur Ben. Alors, tu es là <laughs> Je travaille dans cet hôpital depuis quelques semaines déjà. Ok. Oui. Ok, ma tante a emmené mon père dans ton hôpital ce matin. Ah, ça c'est bien. Mais je ne travaille plus là-bas maintenant. Ça, c'est mon nouveau boulot. Oh, ok. Alors, euh, et qu'est-ce que ce planton fait ici Qui Celui-là. Tu parles de M. Bruno C'est le directeur de cet hôpital. Qu'est-ce que tu racontes Patron, elle, c'est la fille de mon parrain. En fait, elle est en réalité une brillante chirurgienne de France. C'est le meilleur médecin noir de France. Patron. Oh Je vois. Une chirurgienne de France. Ravi de vous rencontrer. Soyez la bienvenue. Alors, pouvez-vous dire aux médecins qui ont déposé leur CV que j'aimerais avoir une réunion avec eux lundi D'accord, monsieur. C'est plus une. Faites des bienvenus pour eux. Compris, monsieur. D'accord. Je m'en charge, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Ben. Ah, es-tu sûr de ce que tu as dit c'est le directeur. S'il te plaît, excuse-moi. Dans quoi me suis-je encore fourré Je rêve ou quoi? Si c'est un rêve, je veux me réveiller. Mon frère, tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé. Je suis à la merci de mes ennemis. Comment ça? Notre entreprise a investi dans la culture de riz. Ok. Les inondations ont absolument tout détruit dans les champs. Ah. Quoi? Avec la crainte de ne pas pouvoir entrer dans nos frais, Et nous nous sommes mis à rechercher des partenaires. Je suis allé à la rencontre de quelqu'un qui s'était dit intéressé. Ah, bonjour, monsieur. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis vraiment navré en fait c'est qu'il y avait vraiment le trafic sur le chemin. Euh, mais Dieu merci, je suis là. Euh, désolé, monsieur... Euh, J'espère ne pas vous avoir perdu beaucoup de temps, monsieur. Ce n'est pas grave. Je suis un homme très patient. Oh, merci. Eh bien, euh, voici les documents. Euh, vous allez, vous allez signer ici, ici. Quoi Qu'est-ce que tu fous là <laughs> Pour les affaires. Et où dois-je mettre ma signature Attends-moi. C'est toi qui a racheté ma banque. Puis apposer ma signature maintenant. Ok, nous allons changer le nom de la banque bientôt pour qu'elle fonctionne sous notre franchise. Le People's Bank PLC. Je viendrai là-bas avec mes auditeurs mardi pour qu'on finalise tout ça. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Oh mon Dieu. Ambulance, s'il vous plaît. Comment a-t-il eu l'argent L'a-t-il volé Comment l'a-t-il eu Il l'a volé Eh bien, on m'a dit qu'une compagnie de téléphonie mobile aurait acheté ses applications pour une valeur d'environ 10 millions d'euros. Et le conseil d'administration l'a admis pour 6 millions de dollars. Mon frère, malgré ça, tu n'aurais pas dû le laisser payer. Tu n'en sais rien. Alors ne dis plus rien. On n'avait pas le choix. Tonya, tu vas bien? J'ai passé une mauvaise journée. Aujourd'hui. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Quel que soit ce qui t'est arrivé, ça ne peut pas être égal ou pire que ce qui est arrivé à ton père. Bruno vient d'acheter sa banque. Quoi Que viens-tu de dire Ton père a dit que Bruno est maintenant un milliardaire. Oh mon dieu. Il a aussi acheté l'hôpital Freedom. Il dirigeait les choses quand je suis allée là-bas aujourd'hui. Hey. Il a même embauché Dr Ben. Hey. Attendez. Comment. Comment est-ce qu'il a eu l'argent? Hein? Hey. Ce monde est vraiment petit. Je ne rentre plus au palais. Je ne peux pas le regarder en face. Mère, elle ne prend pas mes appels. Elle ne prend pas mes appels. Non. Pourquoi Où peut-elle être euh, Je ne sais pas. Appelle, appelle son amie. Appelle Karine, vite. Vas-y. Ok, d'accord. J'appelle Karine. <laughs> Allô, Karine. Euh, salut. Écoute, Tonya ne prend plus mes appels et ne rentre pas à la maison. Elle est allée en rendez-vous dans le nouvel hôpital. Je ne sais pas si par hasard tu. tu l'aurais. vu aujourd'hui. Ah. Ok, ok, ok fais, fais ça. Fais ça. J'attends ton appel, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne l'a pas vue. Elle a dit qu'elle va appeler sa tante pour savoir si elle est avec elle. Oh, Qu'est-ce que je fais maintenant? Léon, va chez son père. Va chez son père et demande après elle. Vas-y. Oui, va vite. oui, j'y je, 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 je vais tout de suite, maman. J'y vais tout vite. de suite. Ouvre le portail! Dépêchez-vous! Tu ne dis rien du tout. Y a-t-il un problème Je veux rester ici, me reposer. Quelqu'un t'a-t-il énervé Hein Ce gars t'a-t-il mis en colère au palais parce que maman m'a dit que vous vous êtes disputé le matin Tu vois ce gars il n'est pas idiot. Je pense qu'il n'est pas aussi idiot qu'on le croyait. Il sait ce qu'il fait. Ne t'en fais pas, d'accord. Je m'en chargerai quand on sera à la maison. Ok Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. À cause de lui. Tout ce qui se passe dans ma vie est en train de s'effondrer. Absolument tout. T'inquiète. Ça va aller, ok Je réglerai tout ça. Écoute, Bruno. Je suis vraiment... Fier de toi. Vois-tu, je. Je ferai tout ce qui est humainement possible. Pour m'assurer que tu atteignes tes objectifs. Je démissionne. T'es malade. <laughs> eh bien, je savais que tu dire ça. Tu sais. <laughs> bien sûr. Pourquoi Santé. je ne pas C'est cool. <laughs> <laughs> Alors J'allais oublier. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je pense qu'il est. Il est grand temps que tu aies un garde du corps. Et aussi que tu t'achètes une voiture. Je veux dire, tu n'as qu'à regarder. -les. Eh bien, oui, je sais que je ferai ça un jour. Mais j'ai euh, une mission à accomplir avant. Avant de faire ça. Et voilà que tu recommences. Regarde-toi. Hein Non, dis-moi. Quelle autre mission voudrais-tu accomplir Voilà que tu es devenu le directeur de l'une des plus grandes banques d'Afrique. Et d'ailleurs, la plus jeune. Voyons. Trouve-toi juste un garde du corps et aussi une voiture. Ok, monsieur. Euh, je vais réfléchir. Merci à toi. Laisse-moi finir ça. Et je vais en rajouter. <laughs> Nick. Nick, cesse de boire comme un homme pauvre. Très bien. Richam. <laughs> tu as dit ok, mais tu en rajoutes Juste ça. Juste ça. Juste celui-là. <laughs> Je retrouve mon mec. Tu vois, c'est comme tu voudras. Comme tu voudras. Je pense, euh, lundi, on va commencer par... Euh, par les choses dont tu as besoin. Ce n'est pas loin. Pourquoi pas demain Oui. Demain, c'est vendredi. Il y a plus de temps. Cherche-toi un garde du corps et une voiture. <laughs> Bruno. Bruno, t'es malade Et tu cinglé ou quoi Pourquoi tu as voulu frapper ma femme pour une voiture que tu n'as pas achetée Foutaise C'est quoi cette bêtise Reviens ici, si je te parle tu, 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 tu Chérie, arrête, arrête. Est-ce que tu es normal Chérie, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. Arrête Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Tu veux me frapper Tu crois que j'ai peur de toi, hein Vas-y ça suffit, s'il te plaît. Ne. Tente, plus ça la prochaine fois. Sinon quoi Que viens-tu de faire Tu aurais dû me laisser donner une leçon à ce gamin. Mais quelle leçon Tu n'es pas au courant Au courant de quoi c'est le nouveau mec riche de la ville. Tu sais, quand je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Freedom, quand je suis arrivée là-bas aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il était le directeur. Bruno est le directeur général de l'hôpital Freedom. Ah. Ah. Chérie, tu blagues, pas vrai blague et comment Je suis sérieuse. donc tu n'as pas obtenu le poste je ne l'ai pas eu, mais je sais que j'en aurai un autre C'est d'accord, chérie, ce n'est rien l'hôpital freedom ce, ce n'est rien du tout je suis très sûr que je trouverai un truc plus grand que ça, hein? vraiment oui, oui, tu sais j'ai demandé un crédit à la People's Bank. Et un ami à moi qui y travaille m'a promis de me faciliter les choses pour l'obtenir. Donc, dès que j'obtiens cela, je construirai quelque chose de grand. <laughs> je prie que ça arrive. Je dois être à son niveau. Mon hôpital doit concurrencer le sien dans cette ville. Non chérie, non chérie. Pas de compétition. Le tien sera le meilleur. Oh, ah. merci, c'est pour ça que je t'aime. <laughs> ouais. T'es le meilleur, je t'aime. Ah, je t'aime aussi. S'il t'a caché une chose pareille, j'en suis, suis en Tonya, il y en a encore d'autres. Tonia, ne penses-tu pas qu'il est grand temps de faire la paix avec lui La paix Oui. Tu veux que j'aille le supplier pour le boulot Écoute, je suis une future reine. Je n'ai pas besoin de son aide. Écoute, mon mari a le projet de construire un énorme et très grand hôpital juste pour moi. Waouh, c'est vrai mm -hmm, Tu ne le savais pas non. Mon mari a des relations à tous les niveaux du gouvernement. Waouh, c'est super. Je suis vraiment contente pour toi. Sérieux, je suis très heureuse pour toi. Parce que je n'ai pas vraiment envie d'imaginer ce qui se passerait s'il était plus riche que ton mari. Il se serait vengé. Parce que le Bruno que je connais est vraiment très en colère de t'avoir perdue. Écoute, quel homme ayant tous ses sens ne regretterait pas de m'avoir perdue As-tu oublié comment j'étais fantastique en France Si ce n'était pas cette tradition qui interdit à une future reine de vivre à l'étranger, j'y serais retournée pour mon poste. Oh, <laughs> une belle femme et intelligente, ça tu peux le dire. <laughs> Ma puce fait vite pour que je t'ajoute encore du vin. Tu n'en veux plus c'est bon pour moi. <laughs> oh. Hey! J'ai appris que tu as quelques millions. Un nouveau statut dans la société, si tu veux. En tout cas, j'ai. Euh, j'ai jugé bon de t'informer que dans quelques heures. Je serai plus riche de 100 millions de naira. Je construirai à ma femme l'hôpital du rêve qu'elle a toujours voulu. Hein Le meilleur de cette ville. Comment trouves-tu cette nouvelle Je te souhaite du bonheur mon frère. Je n'en ai pas besoin. Je bosse. Je sais qu'il est juste. Yeah. Yeah. <laughs> Vois-tu, c'est comme ça que les ritualistes se comportent. Ils n'ont pas de paix parce que leur argent n'est pas propre. Petit, tu verras le vrai argent bientôt. <coughs> Salut. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous Très bien monsieur. Ouais. Hum. En quoi puis-je vous aider Je suis là pour voir votre boss. Le directeur de cette banque, nous avons discuté au téléphone. Ok. Puis-je savoir pourquoi vous voulez le voir Si ça ne vous dérange pas Je préfère attendre. Merci. Oh. Dans ce cas... Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, comment vous allez? Très bien, monsieur. D'accord. Je. Dites-moi, votre directeur n'est pas encore là? Pas encore. Hé, hey, Léon. Bonjour. Pardon? Je suis un prince. Tu dois me parler comme tel. D'accord. Je, Je m'excuse. En tout cas, euh, jeune dame, quand est-ce que arrivera votre boss Je n'en ai aucune idée. Mais si vous êtes là pour un crédit, je vous conseillerais d'aller dans l'autre bureau et de remplir quelques documents. Ah. Euh, Excusez-moi. Ah, oui. Je suis là pour le crédit, mais. Je suis un prince. Je ne pense pas devoir Bonjour, remplir des documents et tout ça. Bonjour. Monsieur, cet homme est là pour vous voir. Cet homme ici présent dit qu'il a rendez-vous avec vous au sujet d'un crédit. Quel homme Celui qui est juste devant nous. Il n'y a personne ici. Apportez-moi une tasse de café maintenant. Oui, monsieur. Oui, Nick, je suis désolé pour la distraction. Oui, oui, je suis au bureau actuellement. Ok, ce que je voulais te dire, c'est que nous devons recruter cinq nouveaux commerciaux de télévision pour le prochain Baby Naja. Exactement. C'est le meilleur moment pour ça. Tu sais quoi, viens à mon bureau, qu'on en discute, ok Ok, d'accord. Bye. Bruno, donc c'était toi tout ce temps, c'était toi qui répondais à mes mails et mes messages, nous sommes dans la même maison, ah. Ah. je rêve ou quoi Oh ah, oui ouais. enfin, Nick, Nick, <laughs> mon Nico Alors tu es prêt à nous rejoindre maintenant bah ben oui, bien sûr. <laughs> ah. Alors, on va commencer par te donner les choses nécessaires. Super. Alors j'essaie juste de... Pruno La ferme, tais-toi. Je veux te montrer les choses que tu dois savoir avant de commencer. Donc tu vas juste... Ok Mettre ta signature ici. Bien, 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 bien. C'est super. Super bien. Pruno La ferme, la ferme. Vas-y, tu peux lire. Allez, c'est parti. Et si ça te va, on va commencer, ok Mais écoute, c'est plein de boulot. Tu ne peux pas faire tout ça maintenant. Je suggère qu'on fasse ça. Tu sais, je connais un nouveau resto où on vend des boulettes et du poisson frit. Ça va te plaire. Les repas sont divins. Tu es sérieux <laughs> Bien sûr. Ok, allons-y. Ok, euh, allez, calme-toi. Et le prince qui est venu pour le crédit C'est un idiot, allons-y frérot, oh très bien. Bruno. Bruno. Il... Il a fait comme si... Comme si je n'étais pas là. Devant lui. Comment a-t-il fait Que s'est-il passé Que quelqu'un me bute. Que quelqu'un me bute. Non. Je dois effacer cette honte. Je dois lui prouver que je peux aussi réussir. Oui. Je dois le faire. Je dois le faire. Comment vais-je y arriver J'ai déjà vendu le terrain. Je n'ai même pas, ne serait-ce que, 200 000 naira dans mon compte. Tonia, qu'est-ce qui retarde ton mari Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes à la banque. Je l'ai appelé deux fois déjà, mais son numéro est occupé. Euh. Il est déjà 17 heures passées. Les banques sont déjà fermées. En passant, il a dit qu'il allait y faire quoi Tu n'as pas appris la bonne nouvelle Non, quelle bonne nouvelle le directeur de People's Bank a personnellement invité mon mari pour venir prendre un prêt. Devine la raison du crédit. Quoi Pour construire un immense hôpital spécialisé pour moi. Mais... <laughs> c'est une bonne nouvelle, mais... Il ne m'a jamais dit cela. Eh bien, c'est parce que mon mari est plein de surprises. Wow c'est super ça. Bon après-midi. C'est bonsoir. Oh, pardon. Bonsoir. Alors Alors, comme je le disais avant que nous ne soyons grossièrement interrompus, le directeur de People's Bank, personnellement, a invité mon mari à venir prendre un gros crédit pour qu'il construise un méga hôpital spécialisé pour moi. Wow! <laughs> C'est super ça. Je suis contente pour toi. Certaines personnes croient qu'elles peuvent me frustrer avec leur pauvre, sale petite maternité qu'elles appellent hôpital. Cela mérite d'être fêté. Bien sûr. Je suis Super. extrêmement contente dès qu'il rentre. On doit célébrer ça. Mais chérie, pourquoi tu as mis aussi long Chérie, peux-tu nous dire quel est le problème As-tu reçu une mauvaise nouvelle de la banque Ont-ils refusé de t'accorder le crédit La vie. La vie est un enseignant. J'ai appris ma leçon aujourd'hui. Quelle leçon? Tu m'as dit que tu me laissais une semaine pour partir, n'est-ce pas S'il te plaît, nous sommes en pleine réunion importante. Excuse-nous. Eh bien, ça t'intéressera de savoir que... Je vais enfin vous laisser. Alors dégage d'ici. Chérie, s'il te plaît, appelle les gardes pour qu'ils chassent ce truc. -là. Lion. Ton silence. Et énervant et hey, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Que s'est-il passé que tu ne veux pas nous dire Quoi La vie est un enseignant. Comment appelle-t-on ça, Tonia Pourquoi ne pas tu pas dans la chambre Je pense qu'il y a. Quelque chose à se dire. Tu n'as pas à montrer ta faiblesse. Ton frère n'avait pas besoin de voir ça. Tout ce que tu dois faire, c'est faire semblant d'avoir eu le crédit de la banque. Écoute, nous devons maintenir une certaine classe afin de prouver à ton frère que ce qui s'est passé à son hôpital hier ne peut pas nous empêcher de réussir. Peux-tu, s'il te plaît, te taire Quoi J'ai dit, la ferme Tu bavardes trop Tu ne réfléchis même pas avant de parler Qu'est-ce qu'il y a? Euh... Le directeur de People's Bank lui a donné cet argent. Tu sais, ce sont de très bons amis, donc. C'est ce qu'il a dit. C'est faux. Je connais très bien Lyon. Son attitude est vraiment très étrange. Il y a un truc qui ne te dit pas. Mais où est-ce qu'il va Ça va trop loin, ça. <tousse> Tonia. Tu, tu es encore éveillée. Je ne peux pas aller dormir. Alors comment mari est encore dehors Ces deux téléphones sont éteints. Ne t'en fais pas. Il va bien. Comment puis-je savoir qu'il va bien là-bas Ça ne lui ressemble absolument pas. Si je te dis qu'il n'est pas avec une autre femme, tu me croiras Est-ce que je dois contacter la police Il n'a pas disparu. Il reviendra quand sa colère se calmera. Va te coucher. Va te coucher. <laughs> So why will you be so rude to your brother? Nobody knows tomorrow No one can tell the future I... Anything can happen And nobody can turn to somebody Cause life is a teacher We learn every day This life is so mysterious Be careful what you do Cause what goes around must come around. Cause life is a the way. My world is crumbling. Everything is falling apart. If there's a dream, someone please wake me up. Please wake me up. What I'm seeing is too much for my eyes. What I feel is heavy for my heart. If this is a dream, oh, someone. What I see is too much for my eyes What I feel is heavy for my heart Oh, this not temptation And I need a solution Oh, gently Everything is falling apart Why me? Oh Is crashing down, temptation all the way. My world is crumbling, everything is falling apart. I... J'espère que vous avez mon argent, Monsieur Lyon. Hey! Tiger! Tiger! Mais, mais comment? Où est mon argent, Monsieur? Tu crois que je suis venu plaisanter avec toi? Tiger, écoute, donne-moi juste trois jours. Trois jours et je te promets de, ras de rassembler ton argent et de te donner même avec des intérêts. S'il te plaît. Je te donne deux jours. Deux jours pour rendre mon argent. Sinon, tu ne vivras pas pour raconter l'histoire. Ok, Tiger, Tiger. Je vais, je vais te payer. Je vais te payer, ok Pitié. Pitié, épargne ma vie. Je t'en prie. Petit Tiger, épargne ma vie, je vais te payer. Je te promets que je vais te payer. Je vais te payer. N'y pense même pas de mêler la police à ça. Non, non, je ne suis pas stupide. Sinon, ça va couler du sang. Je je, je ne ferai pas de tel promis. Je, je sais. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Hey, hey, hey. Ah. Écoute, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je, je, je sais que je t'ai beaucoup offensé. J'ai été stupide. Je t'en prie, je te supplie de me pardonner. juste pardonne et oublie. Écoute, je, je suis prêt à tourner une nouvelle page. Même s'il faut que je lave des habits chaque jour, je suis prêt à faire ça. Je suis prêt à le faire. Ça ne me dérange pas d'être ton chauffeur. Juste pour que la paix règne. Pitié. Je t'en supplie. Non. Ne t'en fais pas. Je n'ai rien contre toi. Bruno. Bruno. Léon, pourquoi te mets-tu à genoux Tu lui demandais de te pardonner. Mère. Bruno. Et le milliardaire qui a acheté l'hôpital Freedom. Quoi il est aussi le directeur de People's Bank. Je... Je, Je ne comprends pas ce que tu dis. Comment l'as-tu découvert On me l'a présenté comme étant le directeur de la banque. Juste devant son ami, Nick. Ça a été le jour le plus embarrassant de ma vie. J'aurais voulu que la terre s'ouvre et m'avale. Ça doit. J'espère que c'est un mensonge. Ok, parce que. C'est vrai. J'ai demandé un crédit. J'ai aussi demandé un crédit à la People's Bank. Mère. J'ai rendez-vous avec eux. J'ai rendez-vous avec eux demain. Donc, c'est faux. Pas vrai Bruno est le directeur. Il a de l'avance sur nos mères. Je te conseille d'aller le supplier. Peut-être qu'il t'écoutera. Tiger, euh, écoute, je t'apporterai l'argent. Ok Je vais t'apporter l'argent. Tu n'as pas à me faire des menaces. Lion, on dirait que tu veux que je massacre toute ta famille. Tu sais pourquoi on m'appelle Tiger, le sniper. 24 heures. Je te donne 24 heures. 24 heures pour me donner mon argent. Sinon, verra de quel bois je me chauffe. T -t -t Tiger, je... Allô Allô Combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas toucher aux clés de ma voiture Donne-les-moi. Les clés, maintenant. Bonjour. Es-tu stupide Qu'y a-t-il de bon le matin Donne-moi les clés, mon ami. Eh bien, j'essaie de partir du palais, puisque vous m'avez tous demandé de partir. Je ne pars pas avec la voiture. Je vais la ramener. Je ne suis pas censé porter ma valise sur ma tête. S'il te plaît. Regardez-moi cet idiot. Est-ce que tu es malade Hé, hey Tu as encore le culot de parler Hé hey Regardez cet idiot. Tonya Que viens-tu de faire Tu as giflé mon frère, tu es normal Et alors Tu es singlé ou quoi C'est quoi ton problème Que se passe-t-il ici Maman Tonia a insulté mon frère. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a giflé. Pourquoi Et tu as giflé ta femme à cause de Bruno. En tout cas, elle doit demander pardon à mon frère maintenant. Je te demande pardon. Lyon, tu m'as giflé. Je te giflerai encore si tu ne t'excuses pas maintenant auprès de lui. Demande-lui pardon, tu es malade. Tu payeras pour ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris Hé, ah. hey, frérot, je je suis vra vraiment désolé pour ça, d'accord Ce que tu as fait n'était pas nécessaire. Tu n'avais pas lu donner une gifle aussi retentissante. Donc... Euh, je, je devrais le faire pour toi. Non, c'est bon. Je ne t'ai pas demandé de le faire pour moi. Vois-tu, je fais juste ce que tu m'as demandé de faire. Tu as dit que je quitte le palais, donc je veux juste partir du palais en paix. Pour que tu, tu sais, dirige tout ça. Donc, ne gifle pas ta femme la prochaine fois comme ça, ok? Ah, 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 eh, ah, ce n'est pas nécessaire, frérot. Allez! C'est ta maison et, et tu bon, es mon frère. bon, prends tes Je n'ai pas de rancune envers toi. Ok? Tout va bien. Je veux juste m'en aller paisiblement pour continuer avec ma vie. Donc, euh, ça va. Tu es mon frère! Mère, si tu ne trouves pas un million, dans les prochaines 24 heures, nous sommes morts. De quoi tu parles là? Quelqu'un menace ma vie. Je Et ne... on doit payer un million, mère. Je. je ne comprends pas. Si on ne paye pas un million, on est tous morts. On est morts. Mère, on doit commencer à trouver des solutions. On doit trouver des solutions et très vite. On a besoin d'un million. Très Leon. vite. Léon Calme-toi. Reste calme. C'est quoi faire J'ai la maison que mon père avait achetée pour moi. Je la vendrai <sutit> demain et. Nous utiliserons l'argent pour lancer un business lucratif. Merci maman, tu es la meilleure. Mère, pourquoi n'allons-nous pas vendre la maison aujourd'hui Nous n'avons que 24 heures. Maman Où est-ce que tu vas? Ton fils viendra chez mon père pour demander pardon pour ce qu'il m'a fait. Tonia! Tonia, reviens! Mère! Mère, puis-je passer des appels maintenant pour trouver des gens pour acheter la maison? Ta femme vient de partir! Je m'en fiche, elle peut aller au diable. Puis-je appeler maintenant, mère? Qu'as-tu dit? Mère, j'ai dit que je m'en fiche. Je la hais. Puis-je appeler maintenant? Maman! Maman! Je peux appeler maintenant? Tata, Dieu merci tu es là. C'est très grave. Papa, qui a-t-il? Que lui est-il arrivé? Il a été arrêté par le FCC. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai appris qu'il a été impliqué dans une fraude sur Internet par le passé. Ça, ce n'est pas possible. Je le pensais aussi. Des gars ont été arrêtés. Et après quelques investigations, ils ont découvert que son compte était lié à certaines de leurs activités. Hey, ce n'est pas vrai. On doit agir et très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas appeler son avocat? Appelle son avocat. Allô? Allô, maître? Il y a un problème. Mon père a été arrêté par le FCC. Quoi Allô Allô euh, Qu'est-ce qu'il y a Il dit qu'il est déjà là-bas. Ok. Mais que cette maison sera aussi confisquée. Quoi Hey Mais quel genre de démon est entré dans cette famille Quel genre de démon est entré dans cette maison Hein eh? Qu'est-ce qu'on fait maintenant On doit faire quelque chose. Euh, je... Tu sais quoi, je vais... Je vais voir du côté du père de Karine. Il peut nous aider. Je dois venir avec toi. D'accord. Tu ne peux pas me presser de vendre la maison aujourd'hui. Léon, qu'est-ce qui t'arrive Quoi Mais on doit vendre la maison aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut l'acheter aujourd'hui. On doit la vendre pour, pour que je puisse payer Tiger Il est dans la ville Et il va nous tuer Qui est Taiga? Qui est Taiga? Bien, Tiger est un mafieux J'ai fait des affaires avec lui et, et j'ai échoué M Maintenant, je lui dois de l'argent et je dois le rembourser Il est dans la ville Je dois le rembourser, sinon il va nous tuer Je, je ne veux pas qu'on fasse ça Quel business as-tu fait avec lui Mère, on n'a pas le temps de parler de ça dans la maison et retrouvons nos vies, s'il te plaît. Laisse-moi donc appeler la police. Hein ah. Maman, pardon. Ne pense même pas ça. Si Tiger apprend qu'on que, qu a appelé la police, il va... Il va il va me torturer avant de me tuer. Et, et là, c'est le pire. Il va me torturer tous. Je t'en prie. Remboursons-le, vendons juste la maison et remboursons Tiger. Je ne veux pas qu'on meure, mère, s'il te plaît. Ferme-la, que... tais-toi. Laisse-moi réfléchir. Te laisser réfléchir. Te laisser réfléchir. Mère, tu n'as pas fini de réfléchir que se passe-t-il Tu vas te taire Tais-toi. La ferme. Karine Karine Karine. Ah, ah. Karine, il y a ah. un problème. J'ai besoin de Donia, ton pardon. aide. Pardon. reste loin de moi. J'en ai marre de tout ça. Ton Mais qu'est-ce qui pas se pas passe Il faut qu'on ce qui se passe. Ton père est très très méchant. Il est même dit. En fait, dis-moi. Pourquoi a-t-il mêlé mon père à ça Mais Hey De quoi est-ce que tu parles Tonia. Je t'en prie, rentre et demande à ton père. Regarde-moi. Attends, regarde-moi. J'ai tout perdu. Non on a tout perdu la maison, les voitures tout est parti en fumée à cause des accusations de ton père ton père karine peux-tu te calmer et me dire quel est le problème eh, eh Tonia ton père est le problème euh, attends <laughs> attends est-ce qu'elle a dit que son père a également été arrêté Je pense que c'est ça je pense que c'est ce qu'elle a dit et ils ont tout perdu leur maison et les voitures. Ça veut dire qu'on a un problème, un gros problème. Tu sais quoi? Je, je dois encore parler à Karine. Alors, un instant. Karine? Que se passe-t-il? Maman? C'est ici? Je ne sais pas. Il y avait une maison ici. Mon père m'a acheté cette maison, comme je te l'ai dit. Maman, je, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est censé être cette maison. Oui. Oui. C'est ici qu'est la maison. Que se passe-t-il Quoi Où est donc la maison, maman Je ne sais pas. Mais il n'y a aucune maison ici. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un Ma maison. Il y avait une maison blanche ici, un portail blanc. C'était ma maison. C'est vrai, madame, mais la maison a été démolie il y a de cela trois mois. Démolie Ma maison Non, je n'ai pas démoli ma maison. Comment est-ce possible ça Je n'ai. démoli par qui le, le gouvernement va utiliser cet endroit pour construire un, un hôtel. Excuse-moi. Le gouvernement. Oui, madame. A détruit oui, ma propriété. Et... Sans m'en informer. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus voir personne par ici. Quoi Le gouvernement a fait quoi Maman ah. hey, Maman A l'aide Aide-moi 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 Aide 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 Maman 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 Aidez-moi, s'il vous plaît A l'aide A l'aide A l'aide Allô? Allô, Tonya? Tonya, il y a un problème. Où est-ce que tu es? Il y a un problème. La police est venue à la maison avec des hommes armés, de la police et des commandos, et ils m'ont jeté dehors. Ils ont fermé la maison. À l'heure où je te parle, je suis dehors. Ils ne m'ont même pas laissé prendre mes affaires. Où es-tu? Tu es à côté? Ok. Je suis dehors, tu me verras. えっ <laughs> On est dans la mouise. Je te dis que nous sommes dans la mouise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Hein Mais dis quelque, quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Tonia, réfléchir Nous devons partir d'ici. On n'est pas en sécurité. Ils peuvent revenir pour nous. Et je ne veux pas aller en prison. S'il te plaît, partons d'ici. Mais dis quelque chose. Je retourne dans la maison de mon mari. Hein? Et moi alors? Retourne au village. Quoi? Tonya! Hein? Excuse-moi, je n'aime même pas le transport. Comment peux-tu me laisser comme ça? Donne-moi l'argent de transport. Tonya, donne-moi l'argent de transport. Comment est-ce que je vais arriver au village? Tonya! Tonya! Oh mon dieu, cette fille m'a tuée. Mais, mais c'est quoi tout ça, hein? Comment est-ce que je vais me rendre là-bas? 哦，我的见，嘿嘿。 Maman, maman. Quoi Maman, entre dans la voiture, entre dans la voiture, s'il te plaît, tu m'embarrasses arrête. Entre dans la voiture, allons à la maison. Le gouvernement a osé vendre ma maison sans m'en informer. Maman, hein? je sais, je sais. Je les traduirai en justice. Oui. On va régler ça au tribunal. Okay. Je porterai plainte au gouvernement. Ok, ok, ok. Je vais. Ça ne va pas s'arrêter au tribunal. Maman, entre dans. Maman Maman Maman, entre dans la voiture, on parlera n de ça à la maison. Ne t'en fais pas. Ok Ne t'en fais pas. Je vais voir mon avocat. Je dois les traduire en justice. Mon héritage, la maison que j'ai héritée de mon père, le gouvernement l'a démolie. Non, ne t'inquiète pas. Maman. Tu sais quoi Je m'en charge. Je m'en charge. Ma maman. Je n'accepterai pas ça de leur part. Non. Maman. Laisse-moi. Maman. Je dois aller voir mon avocat. Je dois voir mon avocat. Je dois maman, voir maman, euh, Maman entre dans la voiture. Entre ne dans en la voiture. Fais pas, ne t'en fais pas. Maman entre dans la voiture. Je ne permettrai pas qu'on me vole. Je ne me laisserai oh, pas Seigneur. faire. Ils ne peuvent pas détruire ma propriété. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas possible. On va voir ça. Euh, maman. Ils ne peuvent pas détruire ma propriété. Maman. Je porterai allez, plainte oh, au gouvernement. Maman. Je ne le permettrai pas. Arrête. Jamais de la vie. Oh, je ne le permettrai vrai. pas. Jamais. Ce n'est pas possible. Je ne le permettrai pas. Je porterai plainte au gouvernement. Maman, il y a une voiture. Il y a une voiture derrière nous. Je ne permettrai pas ça. Maman, il y a une voiture derrière nous. Calme-toi. Non. Non, 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 non. Je ne le permettrai pas. Jamais de ma vie. Jamais. Je ne le permettrai pas. Jamais. Maman. Hé, hey. ah, Oka Tiger, Oka Tiger, je, je suis désolé, Oka Tiger, je, je suis désolé, je suis désolé. Donne-moi les clés de la voiture. Où veux-tu que je bute ta mère Non, 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 non. Non, Tiger. Écoute, Tiger, je. vais te dire ce qui s'est passé. On est allé pour vendre la maison de ma mère. Pour pouvoir te donner de l'argent. Mais elle a été démolie par le gouvernement. Je suis désolé. Je ne veux pas écouter tes histoires. Donne-moi les clés de la voiture. Hé Hé C'est bon

Mon prince Vous allez bien Hey euh, Où vas-tu avec cette valise Je ne suis pas d'humeur à parler maintenant. Excuse-moi. Ça ne répond pas à ma question. J'ai dit, où vas-tu avec cette valise Pourquoi me poses-tu des questions stupides Ne me pose pas de questions. Que viens-tu de dire Tu viens de me traiter de stupide Pardon, dégage de mon chemin. Tu. tu. tu es malade tu es stupide Tu oses me tourner le dos? Tu es folle ou quoi Es-tu... es-tu malade Ah oh hey, hey, hey. hey Hey Mon prince Mon prince hey. Mon prince Ma tête Vous allez bien Ma tête Ma tête hey. Apporte casser, de l'eau De l'eau De l'eau Ma tête Ça va aller Ah Ah Ma tête Ma tête Une ma serviette Allez, allez Vite, vite Vas-y, cours Allez, va chercher Ma tête. une serviette! Vite! Vite! Ma tête! Vite. Ma tête. Ah. Apportez les clés de la voiture! Ah. Les clés! Ah. Les clés! Ah. Ma tête! Ah. Allez, Ma vite! Tête. Les clés de la voiture! Ah. Ma tête! Oh. Qu'est-ce que je fais? Où est ma voiture? <laughs> Où est ma voiture? Lion, ma voiture. Maman. Uh -huh. Tu ne vois pas que je suis blessé? Uh -huh. As-tu été blessé par la voiture? Où est ma voiture? <laughs> Bien, la voiture a été volée par des braqueurs. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. <laughs> Je vais les traduire en justice. Je vais les traduire en justice. Ma maison a disparu. Je les traduirai en justice. <laughs> Je les traduirai en justice. Que tout oh, le monde s'en aille. n'en restera pas là. Maintenant, oh. partez Partez Hein Pourquoi Pourquoi les chasses-tu d'ici Ne veux-tu pas qu'ils viennent au tribunal et entendent mes plaintes tu crois que je ne gagnerai pas cette affaire C'est ce que tu penses Maman, tu vas bien Très bien. Je vais chercher ma voiture. Maman ma, ma maison, maman, je vais dans ma te maison. S'il te plaît. Maman, je... maman Maman, <laughs> s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Ok Maman, viens à l'intérieur. Je vais récupérer ma maison. Oui, on va la récupérer, ok Je gagnerai ce euh, procès. Euh, oui, on le fera. Je... Tu le sais. Oui, je sais, je tu sais, sais, je sais. Hein allons à l'intérieur. Je gagnerai ce maman, procès. Va à l'intérieur, Ma te plaît. maison. Maman, allons à l'intérieur. Maman, s'il te plaît, allons-y Attends, attends Maman, s'il te plaît, allons-y Laisse-moi appeler l'avocat Appelle l'avocat Appelle l'avocat de ma part Maman, eh s'il hein. te plaît, allons-y <laughs> Allons à l'intérieur Maman, je t'en prie <laughs> Je n'accepterai pas ça Quoi d'autre Si qu ce n'est qu'elle est saoule Est-ce pas ce qu'elle a fait à son dernier anniversaire Elle voulait carrément sortir et courir tout nu Non, je ne pense pas qu'elle soit saoule. Je pense que le Lion a utilisé son cerveau pour se faire taquer d'argent. Que Dieu m'en préserve! Pardon, épargne-moi de ces affaires, épargne-moi! Je pense que je dois supplier ma femme de me pardonner. Oui? Elle pourra au moins demander un crédit à son père et pourquoi pas plus? Je dois faire quelque chose. Mon Dieu. Je te quitte. Quoi? Ah, chérie. Je t'en prie. Pas maintenant. Tu dois rester au moins pour voir ce qui ne va pas chez maman. Je vais te divorcer. Quoi? Mon cœur. Chérie, je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Je. Je suis navrée de t'avoir giflé l'autre jour. Écoute. Si tu si tu en as marre de ce palais, on peut retourner ensemble à la maison de ton père. Au moins on peut s'échanger les idées. Pitié. Ça ne marche plus. Tout s'est détérioré. Peut-être ça a été une grosse erreur d'entrer dans cette famille royale pour commencer. Allez bébé, s'il te plaît, arrête tes lamentations. Arrête. Je t'en prie. N'ai-je pas été un bon mari pour toi? N'ai-je pas bien. bien pris soin de toi, chérie? N'ai-je pas été un bon mari envers toi? Un mari plein de mensonges et de tromperies? Tu crois que tout ce temps, j'ignorais que tu vivais une fausse vie? J'ai été dupée. Mais j'ai compris la leçon. Je m'en vais. Chérie, 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 je t'en supplie. Au moins pas maintenant. J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. S'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. S'il te plaît. Chérie. Mon père. Je prie juste qu'il survive à tout ça. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Survivre à quoi De quoi tu parles Mon père a été arrêté par l'IFCC. Ah. Par l'IFCC Et pourquoi exactement Je ne sais pas. Il ne me laisse pas entrer. Notre maison a été saisie. Nous avons tout perdu. Qu'est-ce que tu viens de dire Nous avons tout perdu Lyon. Bonjour mon prince. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a Vous avez de la visite. Et qui est-ce Je ne connais pas son nom. Va la voir et dis-lui que je ne suis pas disponible. Mon prince, mais vous êtes là. Tu es single ou quoi Pas du tout mon prince. Allez, dégage. Merci mon prince. Madame, arrêtez. Si tu me touches. Madame, hein. madame, mais arrêtez. Allez, dégage. Madame. Madame, arrêtez. Comment peux-tu m'empêcher de voir mon gendre Hein N'est-ce pas mon gendre ici Pourquoi tu mens Hey Qui a-t-il et pourquoi tu es venu Je suis ici pour voir Tonia. Allez, tourne-toi par le ce palais maintenant. Si elle avait pardonné à mon frère et était retournée vers lui, tout ceci n'arriverait pas maintenant. Allez, dégage Mon gendre je suis confuse. D'où est-ce que tout ça sort? Tu es sourde? J'ai dit dehors! Madame, il a dit que vous devez sortir. Mets-la hors de cette maison. N'importe quoi. Si tu me touches, je vais te gifler. Ne me touche pas. <rire> <rire> Ou suis-je même en train de partir Non, je dois y retourner. Il faut que je rentre. Laisse-moi partir toute seule, ne me touche pas. N'importe quoi. Madame, sortez. Allez où Ne t'approche pas de moi. Madame, sortez. Si tu me touches la gifle que je vais te donner. Tonya Bonjour, ma princesse. Tonya Qu'est-ce qui se passe Beaucoup de choses se sont passées. J'ai besoin de temps pour me retrouver. Excuse-moi, Tonya, qu'est-ce que tu dis Et moi alors Ton mari m'a demandé de partir d'ici. Alors va-t'en, pour aller où Au village. Au village Tonia Et le transport alors Transport de quoi Imbécile. que vous transportez. C'est à toi que je parle, si je t'entends encore. Idiot. Madame, vous voyez que le prince est de très mauvaise humeur. Et la tienne est meilleure. Idiot. Quel genre de transport tu, tu 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 demandes le transport. Tu ne vois pas qu'il y a le feu dans tout le palais? Ah salut, bon après-midi. Bon après-midi. Euh, je m'appelle Sokka et je suis ici pour pour voir le prince Lion. Oh mon prince? Oui de Tizi. De? De Tizi. Tizi Zé. Je veux dire de Tanzanie. Oh. Oui. Là, je vois. Il saura. Okay. S'il te plaît, appelle-le oh, pour moi. Merci. Dépêche-toi. Mon prince. Qu'est-ce que c'est qu Elle est là pour vous voir. Qui encore Qui est-ce Elle dit qu'elle s'appelle Tizi Tizi de 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 Tolo Tozen. Qu'est-ce que c'est Pardon, mon prince. Elle s'appelle Tizi, du taureau. Mon ami retourne au portail pour savoir qui c'est. Merci mon prince. Dégage. Oh oui, je suis là maintenant. Pas besoin de venir me chercher au portail, ok Surprise. Socon Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Je veux dire, ton futur bébé et moi, nous sommes là pour prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu viens de dire Je suis enceinte. Elle est enceinte. S'il te plaît, ferme-la, Tonya. Et dégage d'ici. Pas besoin de... Soko, Es-tu sérieuse de ce que tu as dit Bien sûr, pas besoin de poser toutes ces questions. S'il te plaît, peux-tu m'amener à ma chambre Et en passant, tu vas m'amener quelque part où je vais changer quelques billets de dollars. Ou bien, tu voudrais qu'on retourne en Tanzanie. Oh Voyons, voyons, pas besoin de ça. Écoute. Et si c'est ta maison euh, tu sais, tu n'auras pas besoin de ça. Ici, c'est ta ah, bien maison. Bien sûr. Ok, tu es la reine de ce ah. palais. Et ainsi, sois la bienvenue, ma reine. <laughs> Alors, sans attendre, on va aller au. Oh, au bureau, bureau de change, de change ok. Changer oui. l'argent, ok <laughs> D'accord. Un instant, je t'en prie. <laughs> oh, et, oh, avant que je n'oublie, tu dois enlever tes affaires de ma chambre pour la chambre d'invité, ok Ouais, super. Attends, chérie, monte dans la voiture. <laughs> Alors, bébé, sois la bienvenue. Sois, sois, sois la bienvenue, ma chérie. <laughs> super. Sans l'aise, chérie. Ma princesse Tout va bien Désolé. Aïe, c'est chaud. <laughs> Waouh Eh oui, la reine en personne. Ah, merci, je me suis bien amusée. Vraiment J'imagine <laughs> oui. que ça t'a plu. J'adore cette voiture. Ah Bien sûr que si, allons à l'intérieur. <laughs> <Okay>. oh, <laughs> oui Oui euh... Léon Léon, tu es sans cœur. Comment as-tu pu me faire ça Pourquoi es-tu venu vers moi alors que tu savais que tu étais mariée en Tanzanie Chérie, je elle? suis son épouse. C'est pour ça que tu es en colère Ah, maintenant, que dois-je faire En fait, on s'est marié l'année dernière au civil. Alors, qui est l'intruse ici Nous sommes mariés traditionnellement. Je me suis mariée traditionnellement. Nous nous sommes aussi mariés au sein de notre communauté chrétienne. Et nous avons une jolie petite fille ensemble. Léon, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'elle ment. Allons à l'intérieur. Ok, allons-y. Chérie, oh. on va bien s'amuser aujourd'hui. Okay? C'est clair. <laughs> Doucement, ma princesse. Tu n'iras nulle part avec ma voiture, pas avec ta stupide concubine. Et quitte ta tu vas concubine. fermer ta sale gueule. Hé, hé, hé. T'es gars, es qu'est-ce que tu fais ici Bon, tu veux fuir avec mon argent pour rester avec mon ennemi. Soko Bébé, on dirait qu'elle est morte. Bébé, elle est morte. Hé oh, 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 oh. Hey, Soko 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 Oh mon Dieu oh. Non, c'est oh, pas mon vrai. dieu. Tonia, tu n'as pas l'air contente. Comment est-ce que Thomas te traite-t-il? Bruno, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne ma stupidité. J'aurais dû te pardonner il y a longtemps quand j'ai su la vérité. Tonia, Tonia, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Ok? Lève-toi, assois-toi. <laughs> Je ne veux pas m'asseoir. Tounia, assois-toi. Ici, c'est ton bureau. Je t'en prie, assois-toi. On peut régler tous nos problèmes. Donc, assois-toi. Alors. Tu as mangé quelque chose Je n'ai pas faim et je n'ai même pas la petite. Non, non. Tu ne peux pas venir à mon bureau sans manger quelque chose. Ok Je te commande un truc. Venez. Bruno, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Monsieur Oh euh, ouais, s'il vous plaît, achetez-le du riz et des légumes. Ok Faites ça maintenant. Bien, monsieur. Eh bien, Tonya. Je n'ai rien contre toi. Disons que tu as été secoué par les vents de la destinée. Vois-tu, les choses qu'on ne peut pas contrôler sont contrôlées par la destinée. J'étais stupide. Oui, je sais. Je, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te pardonner. Quand tu m'as dit la vérité. <laughs> eh bien. Tu l'as bien dit. J'étais stupide, mais tu vois. En réalité, je ne veux pas qu'on parle de tout ça. De l'amour et tout ça. C'est mort et enterré. D'accord Mais je t'aime encore. C'est impossible que tu m'aimes. Je l'épouse de mon frère cadet. Je peux divorcer de lui et on peut tout recommencer. J'aimais de la vie. La seule chose que je vais faire, ce sont mes affaires. Tout ce sur quoi je bosse, c'est comment m'agrandir, ce que je fais déjà. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Si tu veux m'excuser, j'ai des... des réunions auxquelles je dois assister. Si tu veux m'excuser, je reviens. Je t'aime toujours. Moi aussi, je t'aime toujours. Madame, euh, s'il vous plaît, venez à la cantine manger. Le repas est prêt. Euh, je suis désolée du. désolée du retard. J'attendais les légumes. S'il vous plaît, venez manger. Ok. Bruno, mon fils. Je suis fini. Léon a vendu cette maison. Et dilapidé l'argent. Entièrement. Bruno. C'est vrai. J'ai vendu la maison. Mais je n'ai pas dilapidé l'argent. Je... Je l'ai investi dans un business et... Ça a échoué. Oui. Je suis vraiment désolé pour tout. Pour tous les torts. Et toutes les mauvaises choses que je t'ai faites par le passé. Je ne suis pas vraiment une mauvaise personne. Je t'en prie. Trouve la force dans ton cœur de me pardonner. Je t'en supplie. Bruno chéri. Des gens sont venus ici hier et ont dit qu'ils viendront récupérer cette maison. Si cela arrive, nous serons dans la rue. Biko ne te laisse pas. Ne te laisse pas envahir. Pas notre haine. Tiens. Fais quelque chose pour nous. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai eu un problème la semaine passée. Que s'est-il passé J'ai aidé un ami à effectuer une opération. Son mari n'a pas signé la fiche de consentement. Durant l'opération, j'ai fait une erreur. Et elle est morte. J'ai peur qu'on me mette en prison. Wow. Eh bien, je... Je ne sais vraiment pas pourquoi vous m'avez invité pour ces histoires à dormir debout Tu dis que tu vas aller en prison? Toi tu parles d'être à la rue. Toi tu dis que Lyon a vendu la maison. Je veux dire: en quoi cela me concerne? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. vos conseils de façon sincère de tous porter vos croix et la prochaine fois que vous m'appelez au téléphone assurez-vous que ce soit pour les affaires Bruno Bruno Maman. La police. La police, viens. Viens te cacher. Viens te cacher. Viens te cacher. La police chérie dire te caché Maman Maman qu'est-ce qu'on va faire? Oh this that temptation And I need a solution The way my world is crumbling Everything is falling apart If there's a dream someone please wake me up wake me up what I'm seeing is too much for my eyes, what I feel is heavy for my heart if this a dream oh someone wake me, up. wake me up what I see is too much for my eyes, what I feel is heavy for my heart oh this not temptation and I need a solution oh gentle Everything is falling apart Why me? Be hey. Right before my eyes Everything is crashing down Temptation all the ways my world is crumbling, everything is falling apart.